Salut, c'est Team Track, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, préparation pour les semis de tournesol avec ce magnifique ensemble. Allez, c'est parti, je vous mets ça en image et ensuite, on se retrouve pour quelques explications. Alors quelques chiffres, donc la largeur du vibroculteur 6 mètres, herse rotative 6 mètres également, donc il fait tourner la herse rotative à environ 800 tours, normalement c'est plutôt 1000 mais ici vu qu'il y a le vibroculteur à l'avant, ils mettent plutôt 800, ce qui permet de bien affiner et d'arriver sur un très beau rendu. Le 930 travaille à peu près à 7 km/h, qui avec 6 mètres lui permet d'atteindre entre 3 et 4 hectares par heure en fonction des parcelles. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a eu sur cette parcelle comme préparation. Donc après la moisson cet été de blé, donc des chômages et semis de couvert, et ensuite au printemps un labour, enfin plutôt l'hiver même, un labour, un passage dedans, et ensuite un dernier passage donc avec le 900, donc avec un combiné dedans et de herse rotative pour bien finir le tout et faire un travail des plus propres. Le Fen 900 remplace depuis 2021 sur cette ferme un Fent 826. Donc pourquoi ce remplacement? Donc le Fent était un peu limite en puissance, notamment sur les semis d'automne. Et donc le 930 fait très bien ce travail. Donc avec plus de 40 chevaux de plus et puis un gabarit plus impressionnant qui permet de faire des plus gros travaux. Voilà, la vidéo se termine ici. Donc il arrive à la fin de la parcelle, je vous laisse sur quelques images du Fen 900, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !